Ahlan al jami'a. Bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice sur le lexique de la famille que nous avons vu. Donc, il va falloir pour vous traduire des expressions que je vais énoncer. Et vous aurez à chaque fois quelques secondes pour pouvoir donner la réponse. C'est à vous. Comment dit-on ? J'ai une sœur. عندي أخت. عندي أخت. Comment dit-on ? J'ai un frère. عندي أخ. عندي أخ. Comment dit-on j'ai quatre frères? عندي أربعة إخوة. عندي أربعة إخوة. Comment dit-on j'ai deux sœurs? عندي أختان. عندي أختان. Comment dit-on j'ai deux frères? عندي أخان. عندي أخان. Comment dit-on j'ai cinq sœurs? عندي خمس أخوات. عندي خمس أخوات. Comment dit-on je suis marié? Alors si vous êtes un homme, vous dites ana mutazawwij. Si vous êtes une femme, vous dites ana mutazawwija. Comment dit-on « je ne suis pas marié » ? Alors, si vous êtes un homme, vous dites « lastu mutazawwijan » et si vous êtes une femme, vous dites « lastu mutazawwija ». Comment dit-on « j'ai une fille » ? عندي بنت. عندي بنت. Comment dit-on j'ai un garçon? عندي ولد. عندي ولد. Comment dit-on j'ai quatre enfants? عندي أربعة أولاد. عندي أربعة أولاد. Comment dit-on je n'ai pas d'enfant? ما عندي أولاد. ما عندي أولاد. Comment dit-on j'ai deux filles et un garçon? عندي بنتان وولد. عندي بنتان وولد. Comment dit-on j'ai une fille et deux garçons? عندي بنت وولدان. عندي بنت وولدان. Voilà, c'est terminé pour l'exercice. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la suite du lexique de la famille. À bientôt!